Que le Seigneur vous bénisse. Bwana apate kutubariki. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous lisons les remerciements et requêtes. La sœur Kika Kabombo remercie le Seigneur pour avoir accordé un diplôme d'État à sa cadette. Le pasteur Kasongo Ezaïde Madingusha salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. La sœur Florence Seya remercie le Seigneur parce que ses enfants ont réussi aux examens d'État. Sœur Ilunga Euphrasie remercie le Seigneur pour avoir accordé un diplôme d'État à son fils. Et sa fille a réussi en première session. Le diacre Simplice de Kilwa salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ à partir de Kilwa. Le frère Dido Louis et la sœur Kazadi Wivine remercier les frères et sœurs pour leur consolation lors du deuil qui a frappé leur famille. La sœur Ono Tondo remercier le Seigneur pour l'avoir gardé protégé lors d'un accident de circulation ce mardi. Le frère Stani Chimanga remercie le Seigneur pour la protection durant son déplacement de Kasumbalesa à Lubumbashi. Nous lisons les requêtes. La sœur Lubamba Justine demande la protection pour son déplacement vers Kolwezi et que Dieu lui accorde ce dont elle a besoin. Le frère Stani Chimanga est tourmenté par la douleur au niveau des hanches et il demande la prière des saints. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 24. Nous lisons le verset 16 seulement. Actes 24, 16. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Amen. Vous remarquerez qu'ici, on ne croise pas les bras. Mais on doit s'efforcer à faire quelque chose pour que vous soyez sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Nous devons contrôler chaque chose. Comme nous sommes en train d'apprendre, rendre un service en dehors de la volonté de Dieu, nous devons ramener tout aux Écritures. Que ce que nous faisons est conforme à la parole de Dieu, que nous soyons trouvés sans reproche, et bien devant Dieu, et qu'on ne soit pas accusé devant les hommes. Encore nous entendons un cours cantique, puis nous allons prier le Seigneur. Na ko
kusifu Bwana. Na kusifu Bwana. Prions tous ensemble. Dieu notre Père. Notre Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, merci pour nous avoir rassemblés encore une fois ce soir. Nous venons devant toi tel que nous sommes. Mais avant toute chose, nous te demandons, notre Père, que tu puisses pardonner toutes nos faiblesses de la journée. Merci pour tous les hauts faits que nous venons de lire. Et nous venons devant toi avec les requêtes de nos bien-aimés. Chacun de nous a élevé sa voix vers toi. Puisses-tu, notre Père, répondre à nos besoins. Bénis notre pasteur qui va nous parler. Bénis aussi le pasteur Kaka qui prêche à Kimbembe. Bénis tous les serviteurs de Dieu qui sont en phase missionnaire à cet instant. Et donne aussi à chacun de nous un bon entendement. Nous abandonnons à toi. Et sois avec chacun de nous. Du début jusqu'à la fin de ce service. Car nous te l'avons demandé ainsi. C'est ton nom précieux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Yeah.
Sasa nina pu
katika katika salamu kwa mikono ya Yesu mokola usikubali moko bila oga wa kitu nimepata pata salama ni salama kutoka ni salama ya Mungu kulinda mioyo hiyo inayopita kusema na wakati nitakapofika mbinguni nitaona Mwokozi mpe nitapiga Inclinons nos têtes pour la prière. Oui, Namisha Bichwanja Kouomba Mungu. Seigneur Dieu et notre Père, Wana Mungu na Baba Yetu, du fond du cœur, nous bénissons ton nom. Tunabariki jina lako toka upana wa moyo wetu. Tu as permis que nous venions dans ta présence. Uliruhusu tupate kuingia munyumba yako. Nous venons de chanter avec joie en tant que tes sujets. Kama vile bantu yako tunatoka mkuimba na furaha. Maintenant nous attendons à toi. Tunajongojea kwako. Parle-nous Seigneur. Sema nasi Bwana. Et bénis ton peuple. Ubariki watu wako. Accorde-les. Uitimize. J'ai ainsi demandé avec foi. Omba kwa imani. Au nom de notre Seigneur. Jina la Bwana wetu. Et Sauveur Jésus-Christ. Na Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous saluons ce soir toute l'église. Imagaribi tunasalimia kanisa yote. Saluons aussi le frère et sœur qui nous suivent en ligne. Na tunasalimia vile vile banduku wengine tufuata kwa internet. Pouvons nous lever pour lire la parole. Tunaweza kushimama nje kusoma neno la Mungu. Première chronique. Mambo ya siku ya kwanza. Chapitre 15, le verset 13. Turakia 15, mstari wa 13.
Nous lisons la parole de Dieu. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Que le Seigneur puisse venir la lecture de sa parole. Notre sujet, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Nous avons des hommes et des femmes sincères. Ils s'efforcent de rendre un service à Dieu. Mais ils ne réalisent pas que cela est fait en dehors de la volonté de Dieu. Nous sommes partis de l'exemple de David. Un homme qui aimait réellement Dieu dans son cœur. Il a eu une pensée, une révélation. Tellement que cet homme aimait Dieu. Il avait beaucoup de bonnes pensées à l'égard des choses de Dieu. Et on doit transporter l'arche. Il a négligé la disposition du transport de l'arche selon Dieu. Toute l'église était d'accord avec David. Le chef militaire. Même le Lévite. Le Lévite n'était pas là, était absent. Mais il avait oublié de consulter le prophète Nathan, le prophète de l'âge. Quand Uza fut frappé, David fit irriter, c'est au verset 11 du chapitre 13. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et comme si il se justifiait, Dieu fait quelque chose de bien et Dieu tue quelqu'un. Il était fâché. Regardez maintenant, il a pris son temps. Et si cette chose est arrivée, il y a eu erreur quelque part. Dieu est juste. Si nous a frappé, c'est que la parole a été brisée quelque part. Et il l'a trouvé. L'arche doit être portée par les Lévites. Pas autrement. Dieu les a choisis pour ça. Aujourd'hui, seuls des hommes appelés envoyés de Dieu, ils sont seuls responsables de prêcher la parole de Dieu. La mort spirituelle est partout. Parce qu'on a un système. Pas un système de Dieu. Aiko matengenezo ya Mungu. Quelqu'un va au séminaire. Uto anenda ku séminaire. Il fait les études de théologie. Nda kufunza Mungu. Il est docteur en théologie. Anakuwa docteur mu théologie. Alors docteur en divinité. Docteur mu Mungu. Trinitaire. Alakini anabudu anamini utatu mtakatifu. Le monde le craint. Na ulimwengu kuna muogopa. C'est un diplômé d'université en théologie. Sema huyu alimaliza université mu théologie. Il faut un appel au ministère. Il a fait huit et Dieu appelle de façon souveraine. Na mamlaka yake Mungu yuko naita watu. Parce que vous n'y étiez pas la première fois. Kwa sababu mwe balao mkuu kwa mara ya kwanza. Dieu nous a frappé. Na Mungu alitupika. Car nous n'avons pas cherché selon la loi. Kwa sababu tukumtafuta kufuatana na sheria.
Quiconque veut chercher Dieu, il doit le chercher d'après la parole de Dieu. Les gens vont chercher Dieu dans les dénominations, dans les groupes. Ce n'est pas la voie indiquée par Dieu. Il est Dieu est dans sa parole. Mungu eko ndani ya neno lake. Dieu a des rendez-vous avec ses élus. Mungu eko nafasi ya mabasha kupatana na bateule yake. Dans tel âge pour me croiser il y a ça 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 ça. Sema kwa kunipata mimi mkizazi fulani kuko kitu fulani na kitu fulani. Les gens sont sincères. Batu beko benye haki. Ici seule la parole de Dieu compte. Apa neno ya Mungu tu je ya mafa. Placez votre sincérité sur la parole de Dieu et pas ailleurs. Unyofu wa moyo wako weka pembeni hapana fasi nyingine. Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mawazo yangu sio mawazo ya Mungu. Et Dieu nous a mis en garde. Na Mungu alitukalamusha. Dis mes pensées ne sont pas vos pensées. Sema mawazo yangu mie Mungu sio mawazo yenu. Et mes voies ne sont pas vos voies. Na manjia yangu sio manjia yenu. Quand nous venons vers Dieu. Wakati tunakuja kwa Mungu. Nous devons accepter les pensées de Dieu et les voies de Dieu. N'essayez pas d'injecter votre pensée dans la parole de Dieu, c'est la mort. Même si c'est une bonne pensée, revenons toujours aux Écritures. Le système de Dieu, c'est le système parfait. Il n'y a pas de erreur dans ce que Dieu fait. Et Dieu a raison. On ne l'a pas cherché selon la loi. Et nous a frappé. Ça, c'est David. Oui, Daoudi. Il ne s'agit plus de l'adultère, c'est déjà dépassé. C'est une honte. Allez consulter un devin. Il est parti consulter un devin. C'est une séduction à haut niveau. Regardez au verset 11. On pense une chose là. Malheur à eux. Quand ils ont suivi la voie de Caïn. Le Moufoumou. Alam n'était pas un devin. Un prophète. Alikuwa nabi. La prophétie de Balaam était correcte. Matabiri ya Balaam ilikuwa ya sawa. Mais son enseignement était faux. Lakini mafundisho yake jo ilikuwa ya bongo. C'est ça Balaam. Jo Balaam ol. La prophétie de Balaam était vraie. Matabiri yake ilikuwa ya kweli. Quiconque te bénira sera béni, c'est Balaam. Yeyote mwenye atakubariki atakubariki les champs. Anaisi kuombea bagonjo na bana pona paka pale. Lui-même est en faux. Ye mwenye asha kwa mini bia bongo. Sera troublé. Sera troublé. Et il y a une discussion à ce sujet-là. Plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ces gens prophétisaient au nom du Seigneur. Mais ils refusent le baptême au nom du Seigneur. Ils priaient pour les malades au nom du Seigneur. Mais ils refusent le baptême au nom du Seigneur. Ils faisaient des choses au nom de Dieu. Mais n'étant pas dans la volonté parfaite de Dieu. Nous aurons un peu élevé la barre. Avec Balaam. Ah, Balaam. Quand on est venu chercher Balaam, Balaam pour aller maudire Israël, Israël. A consulté ma devin. Il n'a pas consulté les devins. Balaam a consulté Dieu. Balaam a l'enda kwa Mungu. Et Dieu lui a donné sa réponse. Ah, Mungu alimupatia jibu yake. A pas na kwenda. N'y va pas Balaam. C'est un peuple béni. Ni taifa nye kubarikiwa. Quand Dieu parle une fois, ça suffit. On ne doit pas insister. Balaam ne voulait pas la volonté parfaite. Balaam alikatala mapenzi kamilifu ya Mungu. Parce que son problème, c'était un problème d'argent. Il y avait promesse de beaucoup d'argent. Je vais manquer cet argent.
Il a forcé les choses pour gagner cet argent à tout prix. Quand Dieu parle une fois, ça suffit. Il y avait un problème d'argent, comment gagner l'argent? Il n'a pas abandonné la parole de Dieu. Il y a des gens qui font comme ça. Pour faire des bêtises, il abandonne même l'église. Pour se coucher là, tu es déjà en retard. Balaam est mort dans la parole de Dieu. Accordez-moi encore un temps, je vais prier Dieu. Dieu a refusé, mais j'ai contenté. Dieu n'est pas comme un homme pour changer de pensée. Moi, je peux dire une chose, après je change. Quand Dieu parle une fois, il a beaucoup insisté. Dieu dit, Wendeva. Ah, ils sont vrais. Dieu m'a autorisé. Je suis dans sa volonté. Mais ne pouvez pas comprendre si c'est la permission. Il y a la volonté de Dieu. Et aussi la permission. Toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Unataka nini? Vous et moi sommes des élus. Moi na mie tuko bateuli. Nous formons une particularité. Tuko upeke kabisa. Notre foi. Imani yetu. Nos actions. Matendo yetu. Notre marche. Na mune tuko jitwala. Même dans nos cœurs, il y a des choses qui se passent dans nos cœurs. Un élu, ce n'est pas une prétention. C'est une vie, c'est une expérience. Je vous dis quelque chose. Dans mariage pour mon ancien, à la page 30. Karasa yake ya makumi tatu. Deuxième paragraphe. Kipande yake ya mwisho. Les élus. Bateule. Ne se laisseront jamais aveugler par le diable. Abataweza kupofushwa na shetani. Et ils n'envisageront pas comme tout le bon. Unauza mabang yote. Mais comment utunga sauti ya Mungu? Mais si tu ne gardes pas la parole de Dieu. Aupende. Présent ou les cadeaux avec parfois les yeux des justes. Mais Dieu ne peut pas l'aveugler avec des cadeaux, ça n'existe pas. Dieu aime un enfant de Dieu obéissant. Pas quelqu'un qui fait des bêtises. Qui fait des grands dons. Non. C'est l'aveuglement de Satan. Il est au profond de Satan. Un élu ne peut pas mépriser la parole de Dieu. Un élu ne néglige rien. Même le plus petit commandement, ça compte pour l'élu. Il est hamri kidogo sana iko na mafao juu mteule. Mais les élus, ils veulent à tout prix expérimenter leur perfectionnement et l'achèvement de l'œuvre de Dieu en eux. Alakini bateule bo beko nataka kuonja ile ukamilifu ndani yabo na kumaliza kwa kazi na Mungu quelque chose. Bateule beko na kitu moya. Ils veulent à tout prix. Wanataka sana expérimenter. Kuonja leur perfectionnement. Ukamilifu wabo. Et l'achèvement de l'œuvre de Dieu en eux. Na kumaliza kwa kazi ya Mungu ndani yabo. Comment? Namuna kani? En faisant la parfaite volonté de Dieu. Les élus portent la responsabilité de faire la parfaite volonté de Dieu. C'est ça l'achèvement de l'œuvre de Dieu en nous. En Afrique, nous avons la volonté parfaite de Dieu. Vous parvenez au point d'accomplir toute la volonté de Dieu. Ça devient une obsession. Il est là quoi couché quoi qu'on vous. Tu es sous tension encore de ça. On a chiqué quoi ça, on a déjà coutumé ça, ma peine c'est qu'Amélie fuit à Mungu.
pour les appeler. Il est nangara benyekuitwa. Parce que les élus sont différents des appelés. Oh, bateule na benyekuitwa banachana. Dans le groupe de sauvés, il y a des élus et des appelés. Ukunti yabale benyamba na okolewa kuko benyekuitwa na bateule. Nous sommes des élus. Lakini si etuko bateule. Pour les appeler. Il est nangara benyekuitwa. Il est possible que la volonté permissive de Dieu leur suffise. Banaweza kutosheleka tu mkutimiza mapenzi yake kuruhusiwa ya Mungu. Un appelé, parfois, il se contente de la permission. L'ennemi, c'est la volonté parfaite. C'est leur affaire. C'est leur problème. En toute chose, ils veulent faire la volonté parfaite. En toute chose. La volonté parfaite. Ma pensée Camille faut ya Mungu. Pas une partie. Pas na sehemu ya mapenzi. Mais toute la parole. Lakini neno lote ya Mungu. C'est bon, nous ramenons tout à la parole de Dieu. Comme on a tout narudisha yote ku neno la Mungu. Être même dans l'église. Ata mukanisa. Tout doit être ramené à la parole. Yote napasha kurudishwa kuneno. Tout doit être conforme à la parole. Yote napasha kuambatana na neno. Ma bonne pensée, ce n'est pas la parole de Dieu. Mawazo yangu mzuri sio neno la Mungu. Un bon conseil, ce n'est pas la shauri parole de Dieu. Shauri mzuri sio shauri ya Mungu. Il faut que tout cadre parfaitement avec la parole. Yote napasha kwa mipaka kamilifu ya neno la Mungu. C'est ça la différence. Ile njo achanisho ile. Même vous sœur. Ata we dad. La tenue. Vario yako. La chevelure. Biote, sauti ya Mungu. Inapasha kuonyesha neno la Mungu. Une épouse parole. Pasha kwa bibi harusi. Je suis enlevé. Jo mwenye Yesu Kristo anapasha kwa kunyanyula. Il faut que nos vies se confondent à la parole de Dieu. Maisha yetu inapasha kufanana na neno la Mungu. Et on doit voir ces soucis. Na tunapasha kwa na ile ngaiko. On doit en profondeur sur ça. Tunapasha kuchimba zaidi juu ya ile. Et Dieu nous accorde selon les désirs de notre cœur. Na Mungu anakana tupacha kufatana na kutaka kwa mioyo yetu. Il est possible. Inawezekana. Que les appelés se contentent de la permission. Venye kuitwa bapate kufurahia tu ile mapenzi ya kurosiwa ya Mungu. Mais nous c'est la volonté parfaite. Lakini Job ateule ni mapenzi kamilifu. Et nous prions Dieu. Na tuko naomba Mungu. Pour qu'il nous accorde. Ili apate kutufanizia. Le discernement des choses les meilleures. Apate kufafanua bitu bizuri sana. Le discernement des choses les meilleures. Apate kutambua ile bitu bizuri sana. Nous voulons ça. Que Dieu nous aide. Njoo tunabitamani. Regardez dans la Bible, il y avait deux femmes. Au Biblia mulikuwa banamke bawili. Comme Marie et Marthe. Il y avait Marie et Marthe. Je peux me tromper mais. Naweza kudanganyika lakini ndio vile. Comme Marthe lui aimait la cuisine. Naweza Marthe alikuwa anapenda kupika sana. Yesu anao kubatembelea. Yesu leur a rendu visite. Jésus arrive. Fika. Comme Marie était au pied de Jésus. Da Maria ndio mwenyewe alikuwa shikala pembeni ya Yesu kumikulu yake. Tuna la parole. Kushikia neno. Marthe anaenda kumpishi. Marthe s'occupait de la cuisine. Préparer pour Jésus. Alikuwa anampikia Yesu. Pas pour Satan. Alikuwa anapikia Shetani hapana. Pour Jésus. Iko anapikia Yesu. Marie anakula ta. Marie était indifférent. Elle était assise au pied de Jésus. Yeye alikuwa paka kumikulu ya Yesu. Écoutant la parole de Dieu. Iko anashikia neno la Mungu. Na sa sœur Marthe. Sasa dada yake Marthe. Dis Seigneur. Sema Bwana Yesu. Est-ce que tu ne peux pas exhorter ma sœur? Hawezi kumuonya kwa dada yangu huyu. Pour qu'elle vienne m'aider à la cuisine. Ako nisaidie kwa mambo ya mpishi. Je fais ça pour toi. Niko na kuipikia. Jésus n'a jamais loué Marthe. Yesu asikumutapa Marthe. Dis c'est bien. C'est ni mzuri. Mais Marie a choisi la bonne part. Lakini Maria alichakula sehemu mzuri. Le discernement des choses les meilleures. Kutambua bitu vizuri sana vya damani. Jésus loue Marie. Yesu yuko anamsifia Maria hapa.
Si Jésus était pasteur d'une église. Kama Yesu ndio alikuwa pastor wa kanisa. Shini Mart Job barishimeme mambo ya Mungu. Ana pasha kusimamia c'est Mart elle qui soutient la parole de Dieu. Le discernement des choses les meilleures. Utambua bitu binyoko bya damani. Ata mu fête ya mariage. Même à la fête de mariage. Vous vous absentez de l'église. C'est un jour autrement. Akuna namuna kutengeneza namuna ingine. Écoutez, Dieu, c'est plus important que ça. Kushikia Mungu ni ya mafaa sana kushinda ile mambo ya fete. Je ne veux pas que vous compreniez mal la chose. Nisipende mnyeleo mubaya. Attachez-vous au mariage. Les jours du mariage. Pas ici ailleurs. Bana fashi hapa lakini pengine. On vous donne 30 minutes. Et on a impatient 30 minutes. Comme on a mis 45. C'est beaucoup, c'est 45 minutes. De 30 à 45 minutes. Et on fait un effort pour respecter ça. Tu as dit casa njoa kutikuheshimia hii. C'est ce qui nous étonne. C'est qu'on est tous changaïsha. Mais comme on a fait beaucoup de temps pour des bêtises. Mais quand on a bien wakati mingi sana njoa kufanya kanya tu bêtises. Faire des comédies. Fanya misère. Même pendant 4 heures. Masaine. Ils sont malheureux. C'est ma bantu ni baole. Tout ça, qu'est-ce que Dieu gagne, Mouibiote? Mungu anapata monini, Mouibiote. Mouibiote, qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne dans tout cela? On a beaucoup de temps pour des futilités. Nous avons beaucoup de temps pour des futilités. Mais nous manquons le temps à dédier à Dieu. Jésus revient bientôt. Yesu kona ruti bado kidogo. Un temps va venir. Utako wakati. Où nous n'aurons plus le privilège d'être ensemble comme ceci. Atu kwa tena na bati. Tu travailles pendant qu'il fait jour. La fête commence à 18h. Jusqu'à minuit. Pas minuit. Avec trop de comédies. Na misaya mingi san. Ana penda nganga ibitoyo. Il préfère le zé. Mais où est-ce qu'on est en train de faire? Tuna wakati ya kupoteza. Nous sommes samedi. Na tuko siku aposhi. J'entre 1h du matin. On attend 1h du dimanche, matin. Dimanche, on a encore un organisme. On commence à somnoler dans l'église. Un élu sait gérer son temps. Uteula na yako tumia wakati wake. Dimanche à 8h je serai à l'église. 8h mushiko yenga mimi napasha organiser. Je dois les louer avec force. Mimi napasha kwenda kumsifu na nguvu yote. Je gère bien mon temps, la force tout ça. Napasha kutumia nguvu yangu na wakati wangu. Les élus veulent à tout prix expérimenter leur perfectionnement. Ils aiment ça. Ils marchent de progrès en progrès. Et de gloire en gloire. Nous voulons voir l'achèvement de en nous. L'achèvement, c'est quoi? C'est la volonté. On a fait un mouillé niveau. C'est ça l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Oh frère, Mounyombeye. Oh frère, priez pour moi. Il sait bien qu'il va mourir. Le péché, c'est la même chose. Na zambi ni kitu moya moya. On ne joue pas avec le péché, c'est la mort. Awezi kucheza na zambi, njoo ni lufu. Si tu es sérieux, rejoins mbali na zambi. Kama ufanye mizaa, unapasha kwenda mbali na zambi. C'est la mort. Ni lufu. Le péché doit être traité durement. Unapasha kutendea kwa ukali zambi. Quiconque est élu, c'est ça la vie. Les élus veulent à tout prix expérimenter leur perfectionnement. Ah, pas bébé. Il ne va pas rester au stade de bébé. On doit être dans la maturité. Le frère et les sœurs. Deux hommes et des femmes faits. Banaume na banamuke benye kuivya benye kukomea. Pas de bébé. Apana batoto bachanga. Pa kokotana kuchambulana. C'est tirai, c'est querelle. Mais vous êtes des bébés. Muko batoto bachanga. Muto komeka quand? Quand est-ce que vous allez atteindre la maturité? Jésus revient bientôt. Yesu kona kuya bado kidogo. Bile muko nafanya. Qu'est-ce que vous faites?
Tu veux ce mouana katala. Vous savez que Dieu interdit ça. Pourquoi vous faites ça? Dieu a ni mon refagne. Tu veux bébé. Et l'immaturité ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que l'homme maltraite sa femme. Dieu n'aime pas que l'homme maltraite sa femme. Mungu ashipende bwana apate kuteswa hivi. Mungu anakatala. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Mungu ashipende ile. Dieu ordonne Mungu anaamuru que les hommes puissent aimer leur femme comme leur propre corps. Bwana bibi yabo sa file mili yabo wenyewe. Tu dois grandir. Unapasha kukomea. Unafika mungu unapenda bibi yako comme ton propre corps. Ukimu ya kupenda bibi yako sa file mwili yako mwenyewe. Elle devient une partie de ton corps. Je connais un frère loin d'ici. C'est un couple qui n'avait pas d'enfants. Je parlais avec ses frères. C'est parce que j'ai fait tout ça. Pasteur, on a bien tenu la foi. Léo Kamina Koufa sera malheureuse. Si je meurs aujourd'hui, à ta parole. Même après ma mort. Quel est le minimum quand même pour vivre? Parce qu'on n'a pas d'enfants. C'est ça un homme. Je suis un. Tu as 20 parcelles, 30 parcelles. Tu as 20 parcelles. Tu as 20 parcelles. Et tout le monde s'est caché. Où est-ce que tu as? Et quel genre d'homme? Oh, attends, où? Oh, elle va me tuer. Mais pourquoi tu dors avec elle sur le, dans le même lit? Parce que elle veut bien te tuer en mettant du mazout dans les oreilles. Tu peux dormir à l'hôtel, soit à la cuisine. Les ennemis sont une particularité. Et quand quelqu'un aime Dieu, regardez David. Il avait beaucoup de bonnes pensées en rapport avec les choses. Et Dieu le corrigeait. Je dois construire un temple. Comme moi, dans une maison de bois de cèdre, je dois construire. Il a même amassé des biens, des choses. Akaweka kiba ya vifaa vyote vya kujenga hekalu. Mungu asemwe hapana. Dieu lui dit non, pas toi. Dieu a déjà choisi ton fils. Mimi nishaku chakula mtoto yako. Il dit OK. Anaichika. Anabeba arche, bantu wanakufa. Et anabeba sanduku bantu wanakufa. Dieu a raison. Mungu yuko na sheria. C'est nous les fautifs. Chenjo ba benye kosa. Anaanza kutafuta. Alors il a fouillé. Ni hapa. Il a trouvé l'erreur. Dieu tutoke msauti ya Mungu. Voilà, nous avons dévié de la parole de Dieu. Là, c'est l'affaire de Lévite. Sanduku inapaswa kuchukuliwa kwenye kwa Balawi. Dieu nous a frappé parce qu'on n'a pas respecté cette disposition. Mungu alitupiga ni jua tukuheshimia imatayarisho. Il n'a pas eu honte anaenda kwa Lévite. Ashikushikia anaenda kufuata na Balawi. Angari. Voilà. Parce que amkuye kuna vipa été là. Dieu nous a frappé. Na Mungu anatupika. Tufanye mubaya. Vous avez mal agi. Nika jenu. C'est votre tâche. Quoi attendez ni ça? Venez nous allons partir. Il n'a pas eu honte. Ashikushikia haya. Là comme moi je suis un roi. Même si je suis une révélation. Je dois aller voir le prophète de l'âge. C'est correct. C'est si concorde avec la parole de Dieu ou pas. Et aujourd'hui il y a beaucoup de prédicateurs. Des télé-évangélistes aux États-Unis. Ils agissent comme au temps de David. On consulte tout le monde. Sauf la source sûre de l'âge. C'est la volonté de Dieu. Et pas la permission. La volonté parfaite de Dieu. C'est ça le nom des élus. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que je vais faire? Que Dieu nous donne le discernement des choses les meilleures. Mungu atupatie kutambua paka vitu vya damani sana. Plusieurs solutions. Majibu kwa mingi. Mais parmi toutes, quelle est la meilleure solution? Ce que je vais prendre. Katikati ya hii majibu ya mzuri sana iko wapi jo yenye nitachukua? Quelle est la meilleure solution d'après Dieu? Jibu yenye kufaa kufatana na Mungu iko wapi? Dans le temps dans lequel nous sommes. Jo wakati yenye tuko naishi. C'est pourquoi l'homme de Dieu William Branham, quand il a apporté ce message, il y a cinq conditions ou cinq obligations. Quiconque veut rendre service à Dieu, il doit tenir compte de ces cinq obligations. Ah, chère beauté, nous tous,
Ce que nous verrons peut-être dimanche, si Dieu le permet. Il faut tenir compte de ces cinq. Ce sont des obligations. Autrement, vous allez rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Et vous verrez que le monde religieux est à côté. Même parfois, les gens du message, frère, il a donné cela. Personne ne surveille ces conditions. Alors, les cinq conditions sont-elles remplies? Comme distraction. Ils sont distraits. Et vous verrez que nous sommes devant des miséricordes. Et on doit surveiller ça. Il faut respecter ces cinq conditions. Ce que nous verrons dimanche. Ce sont des obligations. Si ces conditions ne sont pas respectées, c'est un service rendu à Dieu en dehors de sa volonté. Faites ce que Dieu veut. Chaque église, c'est une construction. On doit bâtir selon le plan de Dieu. Si tu veux construire une maison pour moi, moi je ne suis pas architecte. Je vais te donner ma pensée. Nyumba ikoye tout ça. Je voudrais que ma maison soit comme ça. En musique maintenant. Quand mon aïe, je viendrai voir. Quand tu achèves l'œuvre, je viendrai. Pour que je... Mon plan doit être respecté. Une église qui n'a pas été bâtie selon les modèles de Dieu. Quand Jésus reviendra, ça sera détruit. Il y a beaucoup d'églises qui ont été construites. Église de Jésus-Christ. Église de Jésus-Christ. Il veut donner ça à Jésus. Mais Jésus a dit, moi je bâtirai mon église. Et le vrai homme de Dieu, ils sont co-ouvriers avec Dieu. Le maître de l'œuvre, c'est Dieu. Nous exécutons ses ordres. Si je bâtis selon ma pensée, ça sera détruit au retour du Seigneur. On doit être sûr que c'est fait d'après le modèle divin. On a fait sa volonté. Même un pasteur ne conduit pas l'église d'après ce qu'il pense être élevé. Il doit s'assurer que c'est conforme à la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche, nous allons parler de cinq obligations. Si ces conditions ne sont pas remplies, le service est fait en dehors de sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Je remets le service au pasteur. Pasteur Eugène. On peut nous entonner un cantique. Soumis à Mwimbo, quoi.
toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ah, prions tous ensemble.
Bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Baba Mpendo wa Mungu wa utukufu, nous te disons merci du fond de notre cœur ce soir pour toutes les instructions de la parole que tu viens de nous accorder. Il peut parler comme toi. Même les termes que tu utilises sont remplis d'amour envers nous. Tu as tracé un chemin. Ce chemin est parfait. Le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Et tu voudrais que nous puissions, pour toutes circonstances et en tout lieu, nous référer à la parole et le Seigneur Jésus-Christ. De cette manière-là, Seigneur, nous te serons agréables. Merci, Père, Asanti Baba, de nous avoir encore une fois ce soir révélé ta volonté. Permets maintenant, Père, que chacun de nous conjugue les efforts au quotidien pour faire ta volonté. C'est pour cela que nous sommes rassemblés en ces lieux et pour faire ce que toi, Dieu, tu as ordonné. Aide-nous, Père, à nous-mêmes, nous ne saurons pas. C'est pourquoi accorde à chacun de nous le discernement, le meilleur de toutes choses, Seigneur, pour que nous fassions ce que tu as ordonné. Merci. Asante. Réellement, tu nous aimes. Kweli kweli, Baba, et tu ne voudrais pas que personne parmi nous ne puisse se perdre. Aupende, kila mmoja katika tu topate kufa. Grave ces paroles bénies dans nos cœurs. Bariki maneno lako ndani ya mioyo yetu. Et rends-nous capables de le vivre au quotidien. Autuwezeshe tupate kuishi kila siku. Bénis notre pasteur par qui tu nous as parlé ce soir. Bariki mchungaji wetu ambaye unasemezana na simangaribi. Il est en route pour le deuxième service. Yuko munjia kwenda kuyuko. Il connaît la condition dans laquelle il se trouve en ce jour même péchant. Ni amuye yeko wakati yuko na tubiri. Fortifie-le. Upatie nguvu. Sois avec lui, Seigneur. Kuwa naye Bwana. Si tu permettais, kama unaruhusu tena, que nous puissions encore être devant ta face notre ili tukue tena mbele yako siku nyingine, pour écouter les instructions de ta parole, ya kusikia mafundisho neno lako, nous bénirons ton nom, tutabariki jina lako. Bénis notre pasteur Ekaka, bariki mchungaji wetu Ekaka, pasteur Jean Bedile, mchungaji Jean mbariki pia, tous les conseils de l'église nous le recommandons entre tes mains, tunaacha shauri ta kanisa mikononi mwako, les serviteurs de Dieu dans la salle nous le recommandons entre tes mains, tumishi bote benye kwa mwi chumba tunabacha mikononi mwako, nos bien-aimés les frères et sœurs, apendwa betu badala na banduku, toi seul tu conduis chacun, na wewe upate kuongoza kila mmoja wetu. Asante Baba. Accompagne chacun de nous sur le chemin. Indikiza kila mmoja wetu munjia kurudia kwa nyumba. Bénis notre bien-aimé le frère Ewald Frank. Bariki ndugu wetu mpendwa Ewald Frank. Et souviens-toi de ton peuple Israël. Akumbuka taifa yako Israeli. Et bénis aussi notre pays le Congo. Bariki nchi yetu Congo. À toi l'honneur. Wewe heshima. La gloire. Utukufu. La puissance. Uwezo. Dans les noms merveilleux. Mujina ya damani. Le nom puissant. Mujina uwezo. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amina. Que le Seigneur vous bénisse. Abuana patu kutubariki. Nous avons quelques communiqués avant de nous séparer. Tukuna matangazo mbele ya chikwachana. Hospitalisation. Benyekuwa m'hôpital. Sont internés à l'hôpital Sendwe. Benyekuwa m'hôpital Sendwe. Frère Blaise Mwabila, salle 7. Tuku Blaise Mwabila, mchumba 7. Sœur Néné, salle 11. Dada Néné, mchumba 11. Il y a d'autres communiqués. Matangazo ingine. Nous vous informons d'abord que le diacre Mwenze de Kolwezi est ici avec son épouse. Au moment où nous vous parlons, doit subir une opération chez Delgado. Il était en consultation ce matin. Et on a proclamé l'opération cet après-midi. Donc, le diacre Mwenze est ici. Mais il y a un guest house où ils étaient tous logés. Situé sur l'avenue Lac Kipopo. Lorsque vous prenez l'avenue Biai, de passer la première avenue à droite, après la révolution bien sûr, l'avenue à droite c'est Mpolo. Deuxième avenue, c'est ça, l'avenue Lac Kipopo. Il est à Pirinjo, il est avenue Lac Kipopo. Vous pouvez vous rendre au numéro 7940.
au numéro 7940. Là où il y a un guest house. Quand on amène les patients avant l'opération, ils sont gardés là-bas. Et après, on peut intervenir. Et après intervention, le patient peut encore attendre au guest house. Et sur l'avenue Lac Kipopo, numéro 7940. En ce qui concerne la journée de demain, il n'y aura pas de culte. Vous voyez, derrière nous, il y a des travaux qui sont en cours. Vous pouvez regarder derrière, dans le prolongement du rez-de-chaussée. Vous pouvez voir aussi au balcon. Les techniciens ont demandé à ce qu'on leur donne la journée de demain et celle de samedi. Vous pouvoir avancer un peu avec les travaux. De manière à ce que l'autre partie soit occupée le dimanche. Vous pouvez voir, il y a des travaux, des préparations. On prépare des choses. La pente est tellement élevée, il y a dans la fente des portes. On fait tout pour réduire un peu la pente. Parfois ceux qui se mettent là-bas, ils savent ce qui se passe avec des chaises en inclinaison. Donc on fait un effort quand même pour arranger cette situation. Donc, il y a des travaux qui se font au niveau de l'église. Et nous avons supprimé la prière de demain. Il y a des travaux qui vont se poursuivre derrière, ainsi que samedi. En ce qui concerne la journée de demain, on nous informe qu'il y a l'insécurité au niveau du petit pont ici en allant vers Katouba. On a agressé quelqu'un en venant au culte. Il y a des créseurs là-bas. C'est confondu avec les bandits. Nous vous exhortons d'aller toujours en groupe. Évitez de passer seul là-bas, vous risquez d'être agressé. Si un nombre important, 5-6 personnes et plus, là vous pouvez passer facilement. Là-bas. Si vous êtes seul, une ou deux personnes, vous risquez de vous faire agresser pour rien. Vous arrachez les téléphones, vous arrachez les sacs à main. Dès qu'on a tabassé quelqu'un, tout ça, ce n'était pas bien. Donc évitez de passer seul là-bas. Autre chose, en ce qui concerne l'enterrement de la petite sœur du pasteur, on a mis la photo là devant. C'est notre sœur Tshibola Godé. Donc le programme est de la manière suivante. 12 heures levée du corps à la morgue des cliniques universitaires. Et l'enterrement interviendra vers 14 heures à la nécropole de Kasangili. Nous demandons aussi aux frères et sœurs qui ont la possibilité d'héberger certains frères qui peuvent venir demain ou certaines sœurs. Il y a des frères d'écologie qui viendront pour l'enterrement. Et des frères d'ailleurs. Il y en a qui ne seront pas rentrés chez eux le même jour. Donc, si vous avez la possibilité de loger une ou deux personnes, voyez le diacre Mbumba, annoncez-vous chez les diacres. Êtes-vous inscrit chez vous, le diacre, en donnant votre capacité d'accueil? Moi, je peux recevoir un frère, je peux recevoir deux frères, je peux recevoir une sœur, donc envoyez le diacre pour cela. Je demande aussi la prière d'une manière un peu spéciale. Comme vous savez, j'ai mes petites filles chez moi à la maison. Ils doivent aller rejoindre leurs parents qui sont à l'étranger. Alors, nous faisons des démarches pour que ces petites filles aillent rejoindre leurs parents. C'est ainsi que le dimanche, nous ne serons pas là. Nous allons nous rendre en Zambie. Nous avons besoin de vos prières pour que nous obtenions les visas afin que les enfants aillent rejoindre leurs parents. Donc, priez pour nous. Nous voulons profiter de ces vacances pour que ces petites filles rejoignent leurs parents. Un autre communiqué de deuil. Il y a la sœur Christine Nyongani. Nous informe qu'elle est décédée depuis hier. Dit elle est mère de notre frère Charles Milambo. Le corps est gardé à la morgue de l'hôpital Saint-Denis.
Et l'enterrement interviendra le samedi 14. Adresse du deuil. Quartier Bongonga Kadesa. Quartier Bongonga Kadesa. En face de Faradja. Mbele ya Faradja. C'est pas Faradja, c'est un complexe scolaire, un centre de santé. Qui Faradja ni masomo au ni nini na leta hii anwani. Il peut nous donner des détails. Faradja, un centre de santé ou bien Faradja ni nini? OK. OK. Donc quartier Bongonga Kadesa. Quartier Bongonga Kadesa. En face d'un de centre de santé Faradja. Ni centre de santé Faradja. Ah, c'était ça le communiqué qu'on avait. Donc, on reprend. Demain, il n'y a pas de culte. Parce qu'il y a des travaux en cours. Venez nombreux le dimanche écouter la parole. Allez en paix. Et que le Seigneur vous accompagne. Yeah.